les enfants, ben aujourd'hui donc on va partir sur une leçon que vous avez donc découverte hein, hier normalement, certains l'ont fait depuis longtemps, mais vous avez à disposition bon, pour faire cette tâche complexe aujourd'hui, bien sûr la capsule, si vous avez envie de la revoir, vous savez, vous scannez sans, les QR codes dans la salle, et puis ensuite, eh bien, vous avez donc une fiche avec un scénario, vous avez donc une problématique, vous avez quelque chose à faire. Aujourd'hui, je vous propose Cannes. Vous connaissez le festival de Cannes? Vous en avez entendu parler? Eh bien, on va imaginer que vous êtes super célèbre et que vous êtes producteur de films pour le festival de Cannes. D'accord? Donc, vous allez être producteur de films et vous avez des choses à faire. Pour réaliser ces choses à faire, vous avez la capsule, le film qui se situe dans l'iPad. Donc attention, il est sur le plateau. Vous avez également mon tableau avec des captures, des quatre images. Vous avez des post-it. Tiens, tiens, c'est rigolo parce que vous avez aussi des post-it là-bas. Donc à vous de faire le lien et de voir ce que j'attends. Ils sont au nombre de 4 et le chiffre est important, bien sûr. Et puis vous avez une superbe affiche de festival qui n'est pas complète. Vous allez devoir la compléter. Voilà les enfants, à vous de jouer. À vous regarder la capsule à nouveau. D'accord. K4, très bien. Ah, alors c'est celui-là qui est pas assez précis. Ouais, mais tout ça c'est bon. Vous pouvez aller les coller. Hein. Il y a juste le K2 à regarder à nouveau. Et on a regardé donc tous les petits films et dans chaque film on a trouvé le par exemple là le film dans le film 1 ce qui fait rire c'est le comportement. Dans le film 2 ce qui fait rire c'est le langage. Dans le film 4 c'est les gestes. La tâche complexe fait partie du dispositif de la classe inversée que j'ai mis en place maintenant depuis 2 ans au collège. Donc c'est une étape et c'est certainement l'étape la plus importante du processus parce que c'est ce qui se joue en classe. Donc ça se passe en fait chronologiquement juste après le visionnage de la capsule qui a eu lieu la veille. Donc là les élèves rentrent dans la classe et vont découvrir sur la table la tâche complexe. Alors la tâche complexe c'est souvent un fichier papier qui est à disposition. Les élèves donc prennent connaissance de cette tâche qui décrit en fait une situation concrète. Donc la tâche complexe, c'est la mise en situation, on va dire réelle, d'un fait de langue, comme là par exemple aujourd'hui je vais travailler sur les différents types de comiques, et mise à disposition des élèves d'un certain nombre